Alors moi, mon truc, c'est les rayons cosmiques. Et quand j'explique aux gens ce que je fais, souvent la réponse, oui, mais à quoi ça sert? Bon, bah, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques raisons d'utilité de ce que j'ai pu chercher. Donc les rayons cosmiques, qu'est-ce que c'est? Les rayons cosmiques, ce sont des particules qui se propagent dans l'espace intergalactique à des vitesses très élevées. Et ce sont essentiellement des protons. Le premier intérêt pour nous, physiciens, c'est que ces particules, ce sont des messagers. Alors un messager, c'est quoi? C'est quelque chose qui transporte une information. Par exemple, un facteur est un messager. Moi, en tant que physicien, je ne suis pas messager, mais mon super pouvoir, c'est d'essayer de décoder cette information. Alors, comment ça marche? Comment je la décode? Bon, on va se mettre en situation. Imaginez que vous êtes physicien, vous êtes chez vous, vous avez une salle de bain, normale. Cette salle de bain, elle est fermée par une porte vitrée. Je veux dire, c'est un peu bizarre. Oui, mais ce verre, c'est un verre un peu épais qui floute ce qui se passe derrière. Qu'est-ce qui se passe si je mets quelqu'un dans la salle de bain et que je regarde à travers la porte? Ben, je vais voir une silhouette un petit peu floue. Sauf que moi, je suis physicien. Je vais essayer de voir au-delà. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Je vais me dire, ben, dans ma salle de bain, j'ai une source lumineuse. C'est comme ça que nous, les physiciens, on appelle une lampe. De cette lampe, il y a de la lumière qui part. Moi, je vois une silhouette. Donc, ça veut dire que la lumière va être partiellement masquée, a priori, par quelqu'un. La lumière continue. Je vais voir une silhouette floue. Ça veut dire que la lumière, elle traverse quelque chose qui va la diffuser. En l'occurrence, ce verre un petit peu épais. Et la lumière va arriver jusqu'à moi. Et moi, je vais conclure que la lumière, c'est un messager qui m'apporte deux messages. Le premier, c'est qu'il y a probablement quelqu'un dans cette salle de bain. Et le deuxième, c'est qu'entre moi et cette personne, il y a du verre épais. Et bien, les rayons cosmiques, finalement, c'est la même chose. Ce sont des messagers galactiques qui vont m'apporter des informations sur ce qu'ils ont traversé, donc sur les objets qu'ils ont rencontrés dans la galaxie et au-delà, et sur les phénomènes physiques présents dans la galaxie. Première chose pour nous physiciens. Si ça, c'est un petit peu trop élevé pour vous, on peut redescendre d'un cran sur Terre, et il y a des gens qui servent des rayons cosmiques, de leur propriété de messager, pour des applications un petit peu plus concrètes. Ils arrivent à cartographier des pyramides aztèques avec des rayons cosmiques pour essayer de trouver des chambres incas qui seraient cachées, qu'on n'aurait pas vues en les explorant. Deuxième application. Pour ceux pour qui tout ça, c'est encore bien trop flou et qui sont déjà en train de penser à vos vacances, sachez qu'à vos prochaines vacances, votre voyagiste va probablement essayer de vous vendre un voyage sur Mars. C'est la mode en ce moment. Et là encore, les rayons cosmiques interviennent. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, c'est un rayonnement qui peut être dangereux pour l'homme. Alors sur Terre, on est protégé, mais quand on va sur Mars, c'est plusieurs mois de voyage. Et du coup, ça peut provoquer des cancers. Ça peut augmenter le taux de cancer. Bon, j'aimerais que vous restiez pas sur cette note un petit peu négative, mais c'est important de les étudier. Et du coup, je finirai en vous disant que ce qui est important de retenir sur les rayons cosmiques, c'est que finalement, sans eux, eh bien, il ne pourrait pas y avoir la vie sur Terre. Je vous remercie.